you deserve to. Girl, I know you'll ask me what dessert you. You don't gotta worry, I won't hurt you, but it hurt to go without you every day and every night. When you one call away from being right by my side. Now, girl, why don't you stay in me and you talk about it? I ain't ever gonna leave you and don't you ever doubt it. Can you say what's on your mind? Sit down and let's talk. Take all the stress off that we get from every day. Trying to be good just like that we should, but it doesn't work anyway. Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Donc je vous ai montré un peu ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc comme d'habitude, j'ai pris un bon petit déj. Donc là c'était une recette que je vous ai déjà montrée, avec du yaourt, avec une nectarine et du muesli et un bon thé. Donc c'était super bon. Je voulais vous montrer un peu une autre recette, mais c'est vrai que je mange ça tout le temps en ce moment et j'avais pas de quoi faire par exemple un smoothie. Donc je me suis dit bah c'est pas grave, je vais remontrer cette recette. Et ensuite, comme vous avez pu le voir, j'ai travaillé un peu. Donc là je faisais notamment un post pour le Instagram et le Facebook de ma soeur, donc pour MyKnit, je vous en ai déjà parlé, ce sont des magnettes tendance et personnalisées. Et donc j'ai travaillé un peu, je me suis préparée et du coup me voilà, je vais pouvoir vous montrer 2-3 petites choses. Alors en fait cette vidéo est en collaboration avec Desenio. Donc Desenio, je vous en ai parlé déjà dans ma vidéo House Tour, ils sont assez connus pour leurs posters et leurs cadres, leurs affiches vraiment super belles. Et en fait là ils ont sorti une édition limitée, donc je vais vous montrer tout de suite. Ce sont à la fois des tote bags et des coques pour iPhone, donc je trouve ça vraiment super sympa et original, et c'est vrai que ça permet de changer des affiches et des cadres comme ils ont déjà sur leur site. Au niveau du tote bag, donc moi j'ai choisi ce modèle là que je trouve vraiment sympa avec les yeux, je le trouve assez minimaliste. Et en fait ce tote bag il est fait en coton 100% recyclé, comme on peut le voir sur la petite étiquette. Et du coup ça je trouve que serait vraiment cool. Et en plus il faut savoir que c'est vraiment très épais et assez grand, c'est plus grand que les autres tote bags que j'avais déjà, et vraiment très très sympa. Et aussi il est produit de façon durable et imprimé en Suède, donc ça c'est cool et je le trouve vraiment top. Et au niveau des coques, moi j'ai choisi ces deux là, donc celle-ci c'est la Life is Peachy et celle-là c'est la New Leaf, et je les trouve super jolies, super sympa et très très solide. C'est vrai que quand je l'ai mise sur mon portable, celle-ci, je me suis rendu compte que c'était vraiment du solide. Et en fait ce qui est super original, c'est que ce sont des coques créées 100% à partir de résidus de végétaux de lin, donc elles sont vraiment 100% végétales comme on peut le voir écrit ici sur la coque. Sont vraiment 100% à base de plantes. En plus de ça c'est imprimé et fabriqué à la main en Suède, donc ça c'est cool. Et aussi au niveau de l'impression, elle est à base d'eau, donc c'est aussi écologique. Et ce que je trouve aussi cool, c'est que par exemple cette coque, vous voyez, et ben j'ai carrément le fond d'écran qui va avec, et pareil pour l'autre, j'ai eu un fond d'écran qui suivait. Donc je trouve ça assez sympa d'avoir un écran qui est du même motif que sa coque. Donc voilà, des coques faites à partir de résidus végétaux de lin, donc c'est vraiment vraiment cool je trouve. Et parce que c'est vrai que je m'étais déjà dit que mes coques c'était pas terrible, que si je voulais les jeter ça faisait du plastique ou alors du silicone. Et là non, c'est 100% végétal, donc c'est top. Et en plus je vous l'ai pas dit, mais la matière fait que c'est un peu doux et assez plutôt agrippant, vous voyez, ça glisse pas dans la main, ça tient vraiment, c'est pas comme les coques toutes plastiques qui glissent des mains. Et je sais pas ce que vous pensez des modèles que j'ai choisis, mais j'aime trop l'ensemble, je trouve que ça suit vraiment bien, c'est vraiment sympa. Et donc si jamais ça vous intéresse et que vous trouvez ça sympa et que vous aimez les différents autres modèles, je vous laisse aller voir sur le site. J'ai un code promo pour vous, donc c'est LittleCookie10 et ça vous donne moins 10% sur la collection édition limitée, donc sur les tote bags et sur les coques d'iPhone, moins 10%. Et ce code est valable du 1er au 6 août, donc ne tardez pas. Et en plus en ce moment il y a des soldes sur le site de Desenio et jusqu'au 3 août il y a des réductions sur les affiches et les cadres. Donc avec cette réduction pour les soldes et le code promo que je viens de vous donner, y a de quoi vous trouver de belles affiches, des beaux cadres, des coques et des tote bags écologiques pour un plus petit prix, donc c'est vraiment sympa. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par le lien que je vous ai mis en barre de description, c'est simplement un lien qui montre que vous venez de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que vous êtes content d'avoir un petit code promo, donc moins 10% avec LittleCookie10, et valable jusqu'au 6 août. Et d'ailleurs j'ai aussi des nouveaux posters donc de Desenio, il y a par exemple celui-ci, Visite San Francisco, que j'aime trop. Il me rappelle quand on avait été à San Francisco avec Valentin.
Il est super sympa, cette fois j'ai pris un cadre blanc parce que je trouvais que ça suivait mieux avec le poster. Et dans la salle de bain, j'ai mis celui-ci, donc il est vraiment super joli aussi, avec des petites feuilles comme ça, et la feuille dorée brille un peu comme vous voyez. Et cette fois, j'ai pris un cadre noir pour suivre avec le miroir et avec les carreaux de métro, et je trouve le résultat vraiment top. Et du coup, vous voyez avec les deux cadres ici, là et là, ce que ça donne. Et dans notre chambre, j'ai mis ces trois posters-là. En fait, je les avais déjà, mais j'avais pas encore de cadre. Donc là, c'est bon, j'ai les cadres qui vont avec. Donc je trouve ces affiches super jolies. Et là, on a une affiche aussi. Alors celle-ci, elle fait partie de la catégorie affiches personnalisées que j'avais pas trop encore regardée. Et en fait, il y a des affiches comme ça pour vos animaux. Donc il y a différentes silhouettes pour différents types de chats. Donc là, j'ai pris la silhouette qui ressemble le plus à Oli. Et j'ai pu mettre son prénom, la date où je l'ai adopté et une petite phrase, donc là Behind Blue Eyes c'est par rapport à la chanson et je trouve ça super sympa et il y a vraiment aussi pour les chiens, pour les chats, il y a plusieurs races de chats donc c'est top et dans cette catégorie des posters personnalisés il y a aussi toutes des choses pour les couples, pour les parents, pour les enfants etc. Et du coup je trouve qu'il manque plus qu'à trouver quoi mettre ici et pour la chambre on sera bon au niveau de la déco. Vu que, comme vous pouvez voir, c'est bon, tout est fait. Alors, je voulais repeindre les murs, mais à voir, j'ai un peu la flemme. Donc, on verra. Bon, là, il est 13h, donc on se retrouve pour faire à manger. Alors, à la base, ce qui était prévu, c'était pas de courgettes, ce qu'on a cuisiné hier soir, en fait. Mais je me suis dit que ce serait plus sympa de vous montrer une recette un peu moins simple que juste pas de courgettes. Crème curry parce que c'est très bon mais c'est vrai que c'est hyper simple. Et du coup là je me suis dit que j'allais faire des petites brochetta champignons ail. C'est une recette que je faisais il y a très longtemps. J'ai retrouvé une photo et je me suis dit bah tiens je vais faire ça. Donc je vais vous montrer ce qu'il faut et les différentes étapes. Alors il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. On a besoin de pain. Donc vous pouvez prendre du pain de mie complet par exemple tout prêt. Là on a pris ce pain là. Qu'on va pouvoir trancher comme ça dans ce sens-là pour faire des grandes tartines. Ensuite, on a besoin de champignons. Donc là, ce sont des champignons blancs. Vous pouvez prendre des bruns aussi parce qu'il faut savoir que les champignons bruns rendent moins d'eau, donc ça peut être mieux. Et là, c'est les quantités pour faire ce midi et demain, donc pour 4 parts. Et ensuite, on a besoin d'ail. Donc vous pouvez faire soit de l'ail en poudre, soit avec une gousse d'ail comme ça. Et ensuite, de la crème. Donc là, c'est de la crème semi-épaisse. Vous pouvez prendre aussi de la crème végétale. Et voilà tout. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Et c'est parti. Bon voilà, donc là, je me suis occupée de laver mes champignons, d'enlever le petit bout du pied. Et je les ai coupés comme ça en petites tranches. J'ai aussi coupé finement grossièrement plutôt, une gousse d'ail et j'en ai gardé une comme ça que j'ai coupée en deux. Ça va être pour frotter sur le pain. Et du coup, je vais faire ça à la poêle. Je vais mettre un peu d'huile d'olive et je vais faire les champignons. Voilà mes petites tranches, ce pain il vient de Match, c'est le pain multigraine et il est trop 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 bon. Et du coup j'en ai fait plusieurs pour demain aussi. Et là je vais les passer, je les passerai au dernier moment au grille-pain pour qu'elles soient croustillantes et toutes chaudes. Bon voilà, mes champignons sont cuits donc c'est vraiment assez rapide, on va dire 5 minutes à la puissance 5. Et donc là je vais pouvoir mettre mes tartines au grille-pain et pendant ce temps-là je vais rajouter la crème dans la poêle mais en enlevant du feu sinon la crème va s'évaporer. Alors du coup pour faire les tartines, on va commencer par mettre un tout petit peu d'huile d'olive. Ensuite on prend notre demi-gousse d'ail qu'on avait préparé et on peut frotter comme ça sur la tartine. Ça va permettre de donner un goût d'ail sur toute la tartine. Et ensuite il ne reste plus qu'à mettre les petits champignons sur la tartine avec la crème. Et voilà, donc j'ai terminé. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple et très rapide à faire. Le pain en plus, en le passant en grille-pain, du coup, il est bien croustillant. Et au niveau des quantités, donc pour une personne, j'ai compté deux tranches de pain. Et au niveau des champignons, on est à peu près à 120 grammes de champignons par personne. En gros, pour 4 parts, j'ai pris 500 grammes.
Bon, là, il est à peu près 17h, donc on va bientôt aller en vélo jusqu'au magasin bio, parce que à la base, la recette que je vais vous faire ce soir, j'avais pas prévu de faire ça, donc il faut que j'aille acheter de quoi la faire. Donc on va y aller en vélo, sachant qu'il fait 30 degrés, donc on va avoir bien chaud. Et juste avant, je voulais vous parler un peu du jardin, parce que c'est vrai que c'est un peu la galère avec le jardin et je vous en ai pas parlé en vidéo. En fait, j'ai fait quelques plans pendant les différents travaux qu'il y a eu pour l'instant et je me suis dit que j'allais juste vous faire une vidéo où je vous mettais tout à la suite. Mais comme ça a commencé il y a un moment, je me suis dit bon, je vais quand même en parler un peu. Donc je vais vous montrer un peu ce qui se passe dans le jardin. Donc en fait, ce qui se passe dans le jardin, c'est que y a eu des travaux qui ont commencé, mais ils ont commencé début juin et là on est fin juillet et ça a pas vraiment avancé parce qu'en fait il y a eu le confinement qui a tout retardé et ensuite la personne qui nous aide à faire les travaux, elle a eu des indisponibilités et ensuite quand il a commencé à s'y mettre, il s'est fait mal, il s'est blessé, donc il a dû repartir. Donc bref, ça traîne pas mal, mais en gros ce qui a été fait pour l'instant, c'est que vous voyez tout là avant il y avait plein de lierres et de végétation, c'était vraiment rempli, on voyait pas du tout le jardin des voisins. Donc début juin il avait tout enlevé. Et ensuite, là, il avait commencé à enlever cette ancienne clôture qui est très moche et qui, comme vous voyez, penche comme ça. Et donc le but, c'est d'enlever cette ancienne clôture et de mettre la nouvelle qui est ici. Vous voyez, ça, c'est la nouvelle clôture qui va être mise ensuite. Il va pouvoir tout mettre ici. Donc ça, il le fait la semaine prochaine. Et ensuite, la grosse étape suivante, ça sera la terrasse qui est assez moche. Qui est tout abîmé là sur le côté, qui tient plus, les planches elles tiennent plus en place. Donc le but ça va être de changer cette terrasse et de faire de là ici de la clôture jusqu'au mur à gauche. Et ça on sait pas encore quand ça va se faire et ni quelle terrasse exactement on va prendre, mais ça sera l'étape après la clôture. Et en dernier, donc ça sera plus en septembre quand il fera moins chaud, ça sera de changer toute la pelouse parce qu'elle ressemble un peu à rien. Il y a un trou là-bas, enfin un creux. Ici il manque de la pelouse, enfin voilà. Et en fait ce qu'on va faire c'est mettre des rouleaux de vraie herbe en fait qu'on va pouvoir mettre et ça fera une herbe vraiment très belle et sans mauvaises herbes. Et donc une fois qu'on aura la nouvelle clôture, la nouvelle terrasse, la nouvelle pelouse, on pourra mettre un peu des pots de plantes, là-bas on pourra refaire un parterre. Ici, juste devant la porte d'entrée, là où il y a les poubelles actuellement, on mettra les herbes aromatiques et les poubelles, on les mettra là-bas en les cachant un peu. Donc voilà les projets pour le jardin. Donc comme vous voyez, il y a plein de choses prévues, mais ça avance pas trop parce qu'on fait ça avec un ami de ma famille. Et on est un peu dépendant de ses disponibilités, donc c'est un peu compliqué parce que nous on sait pas faire tout ça. Et c'est vrai que c'est un peu chiant parce qu'on est quand même fin juillet et on peut toujours pas vraiment profiter de notre jardin, mais en août ça devrait bouger un peu. Donc voilà, je vous tiendrai au courant et là on va aller au magasin bio en vélo. Bon, on est rentré du magasin bio, je vais vous montrer vite fait ce qu'on a acheté. Donc pour le repas de ce soir, on a pris du tofu, donc je voulais du tofu à l'ail des ours, on n'avait plus, donc j'ai trouvé ça, je pense que ça doit être pareil, c'est juste que c'est lacto-fermenté. Deux oignons, des pâtes comme ça que j'avais déjà prises, donc ce sont des pâtes à la tomate, aubergine et poivron, et au quinoa. Ensuite en plus on a pris ces pâtes là qui sont des pâtes quinoa, basilic et betterave. Et ensuite on a pris ces trois choses là. En fait c'est pour faire des... comment dire? Je sais pas comment appeler ça, mais en fait on prend une datte, on la coupe en deux, on la fourre avec du beurre de cacahuète. Donc là j'ai pris des cacahuètes grillées non salées pour faire le beurre de cacahuète nous-mêmes avec notre nouveau blender Magimix. Donc on fourre les dattes avec du beurre de cacahuète et ensuite on fait fondre du chocolat noir et on met sur les dattes, on met ça au frigo et ça fait un peu genre comme des sneakers. Donc on va essayer ça et on en a pris du 80% pour faire ça et en plus pour manger comme ça, on en a pris à la fleur de sel. Et donc là je vais pouvoir préparer le repas de ce soir. Donc comme je disais, on a besoin de deux oignons, de tofu, par exemple celui-là c'est à l'ail des ours, le tout on a fait avec ça, c'était très très bon.
des pâtes, donc celle-là que je viens de vous les montrer, et aussi un peu de purée d'amande et un peu de lait de coco. Et vous allez voir que c'est vraiment tout simple, pourtant c'est super bon, j'ai fait ça un peu à l'improviste, et en fait c'était vraiment top top top. Du coup là j'ai coupé mes deux oignons finement, et j'ai coupé le tofu en petits cubes, donc j'espère que ça va aller, parce que le tofu fermenté n'a pas la même texture que le tofu de la dernière fois, donc j'espère que ça aura le même goût. Mais du coup j'ai coupé ça et j'ai mis ça à la poêle avec un filet d'huile d'olive. J'ai mis ça un peu moyen. Bon voilà ce que ça donne après plus de 20 minutes à la poêle. Donc vous voyez les oignons sont bien cuits, le tofu aussi. Et maintenant je vais rajouter mes pâtes que j'ai fait cuire. Et je vais pouvoir tout mélanger. Et maintenant il ne reste plus qu'à ajouter la crème de coco, donc vous pouvez en mettre selon vos goûts, moi je vais en mettre pas mal pour qu'il y en ait bien partout. Donc celle que j'ai prise c'est celle-ci, c'est une crème de coco légère. Et je vais aussi ajouter donc de la purée d'amande, à peu près 2 cuillères à soupe, et ça sera prêt. Cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu et que vous avez envie de tester ces différentes recettes. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et aussi à aller voir si ça vous intéresse ma dernière vidéo, donc c'est un concours pour fêter mes 5000 abonnés, donc je vous ai préparé un petit lot de cadeaux assez sympa, et d'ailleurs merci beaucoup pour tous vos commentaires, ça m'a fait super plaisir. Et aussi dites-moi en commentaire si vous partez en vacances, où est-ce que vous allez, ça m'intéresse. Et du coup en attendant je vous retrouve la semaine prochaine, salut.